Ayre les potes, comment genre ça se passe aujourd'hui? Moi ça va super, car je me suis acheté une nouvelle console. PS2 Slim. Usagée, bien sûr. Ça me trouve plus neuf. Donc. Les ports manettes. Un autre port manette. Deux ports USB. Aération. Un capteur vidéo. Une carte mémoire, une autre carte mémoire, et à l'arrière, on a une plug téléphone, plug réseau, plug pour la télé et la plug d'alimentation. Donc, bien sûr, comme toutes les consoles Sony, oups, le DVD, le lecteur DVD. Ça, c'est un jeu que je me suis acheté avec, qui était avec. Donc, c'est ça. Bon, la manette, c'est une fausse. Ça, je suis conscient, c'est une fausse manette. Donc, ce n'est pas comme les PS4. Il n'y a pas de joystick ici. Donc, deux joysticks. Select. Start en allons. Allons, il n'y en a pas sur la vraie manette. Ça. Non! Non! La prise d'alimentation qui n'est pas la même que la PlayStation 2 FAT. Donc, c'est un chargeur comme on dit. Donc c'est ça. Si. Je fais une vidéo. C'est une plug. Je fais une vidéo. Non. C'est des plugs. Je me souviens plus, mais c'est les plugs de couleur. La manette, la première que j'ai achetée avec, je me suis fait arnaquer car. Premièrement, cette manette, je l'ai eu gratuite. Ouais, parce que l'autre, elle ne marchait pas. Ses boutons ne marchaient pas. Et donc, la console. Ce que je me suis pas fait vendre avec, c'est ça. Les cartes mémoire. Je peux pas enregistrer mes jeux maintenant. Donc, voilà. Comme la PlayStation 4. Cette console n'est pas équipée de. Donc, attends, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. Donc, ça, c'est la marque Sony. Donc, la vraie marque et non les fausses. Donc, c'est les vrais fils et la vraie console. Donc, le vrai fil aussi. Donc, PlayStation 2, AC Adapter, Sony. Voilà. Ça, c'est les vrais adapteurs, sauf que la manette, ce n'est pas une vraie. Tac. Voilà. On va la starter. Et voilà. Voilà. Donc, je vais plugger la manette. La manette, c'est la même plug. Sauf que elle, il manque un fil dedans. Elle là, là. Celui-là entre les deux. Je le connecte dans le premier port. Dans le deuxième port, c'est pour la deuxième manette. Moi, j'en ai une deuxième chez nous. Donc, elle marche très bien. En même temps que je clique sur ça. Voilà. Toutes les touches marchent. Celle-là, 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 celle-là,
celle-là, celle-là, celle-là, celle-là. Donc, tout cela marche. Et je vais vous faire un petit gameplay. En plus. Attendez une minute. Je vais vous organiser. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez si je vous fais ça? Non, vous voyez pas. Très bien. Comme ça. Ouais, comme ça, ça marche. Comme ça. Comme ça, voilà. Maintenant, vous voyez l'explication. Je vais rentrer le CD. Donc, c'est un CD de Racing Ford de 3. Donc, le troisième qu'il y a. Ce n'est pas le nouveau. Fait que c'est ça. Je peux jouer. Je vais jouer. Je vais vous faire un petit gameplay. Donc, la manette, c'est toujours la même. Je vais essayer. Je vais vous faire une course. Je ne vous garantis pas que je vais gagner premier. Tatati, tatata. Bla bla bla, bon. Donc, avec l'ancienne manette, je n'étais pas capable de starter le jeu. Donc, là, avec celle-là, je suis capable. Voilà, voilà. Ici, ta-ta-ta, 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 c'est vrai. Single player. Donc, le jeu de base est en anglais. Donc, c'est ça. Je crois que vous voyez très bien. Donc, c'est 3 tours. 6 personnes. Je commence toujours 6e. Enfin, à date. Et à date, j'ai toujours la même map car je peux pas ajuster mes trucs. Car je n'ai pas de carte mémoire. Donc, c'est ça. C'est désagréable pour ça. Je déteste. Vraiment, je déteste. Mais bon. Ça joue très bien. Et je joue là. Ouais, je joue. Tac. Donc là, je vais faire mon premier tour. Premier tour, voilà. Après ça, je vais faire les autres. Ainsi de suite. Je vais vous faire jusqu'au troisième tour. Et puis ça va être ça.
troisième tour. Là, je vais faire mon troisième tour. Donc, ça va être pas mal ça. C'était ma nouvelle console et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!